Bonjour les amis et bienvenue dans votre émission préférée Vidéo Buzz. Le sujet d'aujourd'hui risque de vous congeler. Préparez-vous, vous l'aurez deviné, nous parlerons des DJ congélateurs et de son ex-manager dénommé Confirmé. En effet, après un moment d'entente et de collaboration, DJ congélateur préfère mettre un terme au contrat qui le lie à son manager Confirmé. Les raisons? Eh bien, aux côtés de Tiesco le Sultan, DJ congélateur a affirmé dans une vidéo publiée sur son compte Facebook que ses prestations rapportaient beaucoup d'argent, mais lui n'en bénéficiait pas et qu'il était même maltraité par son ex-manager. C'est moi DJ congélateur 14-18 ans, le collègue de Yorobo. Dans deux jours là, moi et Cypri avec mon manager Confirmé. Par exemple, ce qu'il fait là, il n'aime pas. Ça fait deux ans, il travaille forcé pour créer ma voix, pour chanter. Même 5 francs, mais il ne gagne pas pour manger. Ma propre maman, elle n'a jamais bouffé mon 25 francs même. Donc moi, je vais dire, je suis prêt avec mon manager Confirmé. Donc moi, quand j'attends ce que vous dites, c'est ça qui est là. Je ne peux pas trop parler. Toi-même, tu chantes quoi? Et puis toi aussi, tu vas t'asseoir pour dire que oui, je ne veux plus de lui. Je ne partis pas. Même s'il vient demander pardon, je ne venis pas, je ne partis pas. Toi-même là, tu sais quel effort une personne doit faire pour comprendre ce que tu dis là. Celui-même qui allait te prendre pour dire que lui, il s'en va avec toi à la paix pour t'aider à porter plainte là. Lui-même là, sa carrière musicale est constipée. Puis toi aussi, tu as t'asseoir pour dire que oui, toi tu es trop devenu une star et que toi, tu dois jeter quelqu'un qui est en train d'essayer de te sortir de ta brousse là. Quelqu'un qui a tête de quelqu'un qui ne réfléchit pas là. Toi, tu t'en vas t'associer à lui pour faire carrière. Association des carrières anonymes. Je le vois partout sur Facebook en train de se prendre pour une star et puis en train de manquer respect aux jeunes là qui sont en train de se battre. Et puis tu t'en as trouvé une association d'ingrats, une association de mauvais fonds. Eux là, c'est parce que leur fonds est mauvais que leur carrière n'a jamais décollé. C'est parce que l'Afrique a un problème. Parce que ce que Tiesco est en train de faire là, hein, c'est tellement un sujet important. Mais vous voyez ça en quelqu'un qui veut profiter de DJ congélateur. Mais pourquoi le gars là, il est venu gérer ça à l'amiable? C'est parce qu'il sait que tout ce que DJ congélateur dit là, c'est la vérité. Donc quand je vois des blogueuses mbrakata comme Leslie 5 et toi qui raconte, qui fait une vidéo, on se voit même pas tête, on voit pas que. Et elle aussi, elle va venir dire que ne fabrique pas quelqu'un. Mais toi-même, ton usine, mais c'est moi-même, j'ai fermé ça. Bien vrai. On met la faute sur DJ congélateur. Mais DJ congélateur lui-même là, il est innocent, il sait même pas ce qu'il fait. Il se pose la question, mais je suis où là? Mais qu'est-ce que c'est? Laisser DJ congélateur avec son manager. Toi, le manager de DJ congélateur, tu ne peux pas te laisser influencer par des gens. Tu n'étais pas là quand tu souffrais avec ton artiste. Tu ne peux pas venir t'humilier, te mettre en genoux pour demander pardon à DJ congélateur. Lui, il est qui? Même quel que soit ce qu'ils vont dire, c'est que tu laisses la DJ congélateur dans leurs mains et puis tu restes dans ton coin, tu es assis et puis tu les regardes. J'ai pris ma décision aujourd'hui même, j'ai plus travaillé avec lui. Moi-même, je prends ma carrière à main parce qu'ils m'ont trop éminé, ils m'ont dit parler beaucoup. Quand ils m'appellent, les gens filment, même sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui parlent bien de moi, mais il y a des gens qui sont autour, qui prennent mes photos, que tout ce que je fais, quand ils voient. Et puis balance. J'ai vu que non, les gens sont en train de m'utiliser, ils veulent gâter mon image. Donc je suis obligé de me retirer vers lui. Donner les artistes. Et puis, concentrer sur ma vie. Concentrer sur ma musique, on ne sait jamais dans la vie. Tout ce que j'ai fait sur les réseaux sociaux, c'est moi, je les donne. La page, c'était pour moi quand j'étais artiste. Et puis, comme je l'ai pris, il a dit bon, au lieu de créer autre page, il a annulé mon nom et puis il a mis son nom dessus. Mais à cause de cette histoire-là, les gens ont commencé à quitter sur la page. Parce que le petit, ils savent que le petit, ça va pas trop chez lui. Si ça va chez lui, là, il allait me prendre comme œuf. Il n'y a pas un manager qui peut prendre une musique congélateur comme moi. Enfin, manager confirmé et délivré. Est-ce que le sultan deviendra le manager de congélateur? Quelqu'un est allé le prendre au village, a créé une page Facebook pour lui, a signé des contrats avec des endroits où l'enfant passe, il a au moins de quoi manger. On prend son manager, on l'humilie, jusqu'on l'amène à se mettre à genoux devant un enfant. Faut voir aussi tête de l'enfant s'il arrêtait en disant vieux baoulé. Il dit c'est mon petit, c'est moi qui l'ai pris du village pour l'amener. Vous ne le connaissez pas, vous ne connaissez pas sa maladie. Laissez-moi m'occuper de lui. On dit non. Manager confirmé. J'ai pris l'huile d'onction. J'ai mis sur sa tête. Manager est délivré. Maintenant, il n'a plus un manager qui peut veiller sur lui jour et nuit. Qui peut dormir avec lui. Qui peut se réveiller avec lui. Adama. C'est ce manager-là qui avait créé sa page. Dont la page n'appartient pas à comment il s'appelle, à congélateur. Il va changer le nom.
Il va mettre désormais DJ manager confirmé. Le petit, là, il va lire l'heure en chinois. À bon entendeur, salut. C'est parce que les Africains aiment l'être humain, sont reconnaissants. Sinon, ce n'est pas un artiste en tant que tel qui a une corde vocale. Pour dire que manager confirmé est en train de voler l'artiste. DJ congélateur, là, il peut gagner combien comme cachet. Vous avez vu ici hier, je vais faire un poste. Et dans mon poste, j'ai dit que désormais, je prenais manager confirmé comme mon manager. Manager confirmé a dit, grand frère, tu es une star, tu es connu. Être à côté de toi, là, c'est un privilège pour moi. Mais aujourd'hui, là, j'ai envie de chanter. Si tu veux m'aider, il faut m'aider à pouvoir faire sortir mon son. Parce que Papa Kérosène dit, il va faire son avec moi. Si tu peux m'aider dans la promotion, c'est tout ce que moi, il peut te demander. J'ai dit, mais attends, on peut avoir un cœur humain comme ça, de cette manière. J'ai dit, petit, mais c'est pour faire 150 directs par jour. Pour que ta musique soit écoutée aux yeux du monde entier, là. Moi, je vais faire 150 directs par jour pour toi. Dieu est le maître du temps et des circonstances. C'est que Dieu, quand il met quelque chose dans ta bouche, là, c'est pas pour aujourd'hui, hein, c'est pour demain. Aujourd'hui, toi, Dieu, qu'on entend, il y a caillou dans ton oreille. Ah, tu n'attends plus. Tu connais plus, malade à confirmer. Tu vas connaître. T'inquiète pas. Petit beurre, ça, là, c'est deux jours. On va plus t'inquiéter quelque part. Ivoirien n'aime pas la justice. J'ai mis sur Facebook, là, hein, la liste des dons des managers confirmés. Non, les Ivoiriens ont fini, ça, c'est des pamphleteurs. Tout le monde veut gratter dans le buzz. Manager, pardon, Yayasé, faut te trécou, faut avoir les pieds sur terre. Et ma Dobré, on a vu, tu as mis la photo de l'artiste, hein. Parce que faut pas que ça va être de la visibilité, et puis vous allez gagner temps. Vous allez laisser le petit là. Quand on promet quelque chose sur Facebook, on fait. Vous qui voulez amener Malaja à Paris là, payez billet d'avion en même temps. Non, c'est mieux. On vous garant en même temps. Parce que ne partez pas dire que non, on attend de vous salir sur Facebook, on attend de vous djinzer. Non, on veut pas ça. C'était Vidéo Buzz. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre dossier examiné.